Là nous dit année ça soit année de réforme éducative, c'est parce que nous pas l'entrée année ça dans salle de classe. En dans salle de classe parce que nous commençons à réfléchir en dans ministère et nous lancer une nouvelle commission pour nous capable réformer curriculum qui dans l'école là, c'est-à-dire que dans les prochaines années ti moun nou yo pral gagner de nouvelles matières que pour apprendre. Ti moun nou yo pral gagner une série de nombre d'heures qui pourra augmenter ou bien diminuer une série de matières, parce qu'une réforme éducative, c'est une réforme qui permet que vous formez une autre génération, une autre gens, pour capable adapter à des défis monde que nous avons vu aujourd'hui. Là, nous finissons parler de commission nationale qui pourrait, ouais, qui gens, couille à fait, que ce soit dans l'éducation de base, que ce soit dans le niveau secondaire, que ce soit dans le niveau professionnel. Année 2014-2015, nous pourrons aborder tout, on réforme dans le niveau formation professionnelle, formation technique et dans le niveau université. Donc ça veut dire que c'est tout système nan net que nous avons regardé, nous avons révisé les gens que le pays a abordé, que nous prenons préscolaire jusqu'à ce que nous arrivions dans le niveau université en passant par l'école professionnelle. Nou. C'est pour ça dans réforme ça, gon bagay qui très important nous voulons mettre accent sous lui. C'est question conditions de travail professeur l'école nous yo, améliorer performance yo, c'est seule façon pour que nous améliorer rendement scolaire de ti moun qui parle l'école yo. Ça nous décide de faire ça, nous annoncé plusieurs fois déjà, c'est que n'a mettre en place deux gros décisions. Sont décisions qui permettent que pendant le mois de septembre nan, nous fait enquête qui parle permettre que le mois fini n'a gagné un registre des maîtres qui parle permettre que nous connaissons sur tout territoire national là combien maîtres qu'a enseigné dans qui matière qu'a enseigné qui côté a enseigné et c'est ça qu'il parle permettre que à partir de mois octobre nous pourrons commencer délivrer yo à travers le territoire national là on carte qui que nous pral reler un permis provisoire d'enseigner qui pral permettre que pendant 2 ans tout professeur ça yo gen possibilité pour former recycler puis capable passer à un vrai permis d'enseigner. Deuxième partie d'enquête là qu'a fait en même temps jour 26 septembre là c'est pral connait qui l'école nous gen sur territoire national là. Et bien ça pral permettre à la fin nous sommes capables de délivrer dans toute l'école Zayo un cadre d'identité d'établissement qui n'a pas permis qui autorisait l'école Zayo nécessairement fonctionner, mais c'est pour un permis, c'est pour un bagage qui fait ministère qu'on est. Qui compte l'école Zayo, combien Zayo, et à partir de là, leur institution, sa établissement, ça pral gagner cadre d'identité d'établissement, ça il pral gagner tout 2 ans. Pour le capable faire la preuve que le respecte nouveau curriculum que le ministère met en place, que le gain là donne professeur qui a permis d'enseigner, hein? Et c'est le ça n'a pas capable de voir combien l'école tout bon qui existait dans le système là.